Thank you.
Ah ! Par ici, mon cher. J'ai quelque chose à te montrer. Monte ! Où va-t-on ? Dans l'un des ateliers de Starik. C'est là où il fabrique des armes pour ses troupes. Quand le monde regorge de choses néfastes, il faut apprendre à s'en débarrasser. Les gens comme Starik façonnent le monde selon leurs désirs, afin que nous perdions notre capacité à rêver. Il nous faut... En route. Quelle odeur atroce. Je ne doute pas que tu apprécies le potentiel de cet endroit. Cet atelier appartient à Starik. Place la dynamite et réduisons-le en cendres. Ensemble. Ouh.
machine. J'espère que vous êtes conscient des conséquences de vos actes. Il faut l'éliminer, mon garçon. Edin. Voilà. Tout est prêt. Parfait. Il est temps de passer à l'action. Reculez. Prêt. Attends. Mais pourquoi? Il y a des enfants là-dedans. Jacob, mon ami. Starik fait travailler des enfants dans ses manufactures. Notre devoir est de détruire ses moyens de production. C'est pas comme ça. Pourquoi pas? Je veux pouvoir faire tout ce qui me plaît. Bientôt, tu comprendras ce que signifie être libre. Libre comme moi. Allumez, les gars! Non! Mais qu'est-ce qui te prend, Jacob? Je refuse de jouer à ton petit jeu, Ross. Je vois. On ne joue plus.
On ne traîne pas. Un cadeau de Monsieur Ross. Je dois vous dire, Monsieur Fry, que quand Ross en veut à quelqu'un, beaucoup de gens viennent à en souffrir. Mon très cher Jacob, il semble que nos aventures appartiennent désormais au passé. Cette période à tes côtés fut brève, mais elle laissera une empreinte durable. Je te souhaite bonne chance dans tes futures entreprises. Bien à toi, Maxwell. Post-scriptum, j'organise un spectacle ce soir. Tout Londres sera là. Tu trouveras ci-joint ton invitation. Hmm.
Le Westin est vraiment devenu un endroit à la mode cette saison. Les portes vont bientôt ouvrir. Veuillez mettre vos masques. Vous voyez cet homme? Puis-je demander aux porteurs de masques de venir par ici, s'il vous plaît? Rejoignez le groupe de l'ouvreur. Il vous conduira dans le théâtre. Je vais bientôt accompagner le prochain groupe dans le théâtre. Présentation de ce soir. Tout le monde est prêt? Alors allons-y. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue à l'Alhambra Music Hall. Nous vous offrons ce soir, et ce soir uniquement, une représentation très spéciale de Corvus le Filou. Si certains effets peuvent se révéler assez perturbants, ne vous alarmez pas, cher public. Ne craignez rien. Ce n'est que du spectacle. La représentation de ce soir est dédiée au jeune homme qui l'a inspiré. Un ami très cher à mon cœur. C'est à lui qu'il faudra adresser vos réclamations. Jacob, mon cher, cette soirée est en ton honneur. C'est moi qui serai votre serveuse ce soir. T'es toujours là, toi? La dernière fois, t'as manqué de nous empoisonner. Scène 2, tenez-vous prêts! Laissez-moi sortir! Il faut que j'abaisse le grill! Tu sais quoi? Jean, ils nous traitent tous comme des chiens. Nous avons un volontaire! Vos applaudissements pour cet homme débordant de courage!
Notre volontaire va mourir pour toi, Jacob. Ce valeureux gentleman, mesdames et messieurs, va se faire tirer dessus à bout portant sous vos yeux incrédules et ébahis. Notre talentueux tireur va disposer plusieurs cibles autour de sa tête. Cognez, cognez. L'excitation est à son comble. Où est-il ? Notre spectateur en sortira-t-il indemne ? I'll do anything you want. Take it. Nous, les Anglais, sommes des gens hardis. Mettons cette hardiesse à l'épreuve. La saveur se renforce à la seconde bouchée. Une chasse où le besoin cède la place au désir. Si ce n'est pas Ross, ça laisse un goût étrange dans la bouche, n'est-ce pas? Comme manger du porc quand on s'attend à du gibier. J'espère que vous avez apprécié cette soirée, mesdames et messieurs. Du moins autant que moi. Avant notre finale, j'aimerais rendre honneur à tous ceux qui sont venus nous rejoindre ce soir pour célébrer la vie et la mort. Allez, criez-les! C'est à toi de jouer, Jacob, mon cher. Brûlez! 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 Jacob, mon ami! Où es-tu? Cesse de te cacher, mon cher! Par ici, Seigneur, merci beaucoup. Go!
Mon ami. Quelle soirée. Elle restera gravée dans l'histoire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Quoi? Briser le cou d'un jeune corbeau entre mon pouce et mon index, tailler en pièces des gens que tu dis innocents, laisser au monde sa divine folie. Parce que j'obéis toujours à la même devise. Pourquoi pas? Je n'en sortirai jamais vivant. Je n'en sortirai jamais vivant. Quel cauchemar! L'ordre a enfanté le désordre. La mer monte pour engloutir les pubs et éteindre les réverbères. Notre ville va périr. Tupeny a échoué, Lucie a échoué. Brunel, Eliotson. Pearl. Tous ont disparu dans la nuit. Mon tour est venu. Les assassins ont ouvert nos maisons à la fureur. Les hommes sont devenus des monstres qui déferlent sur nous, prêts à mordre.
notre civilisation doit survivre à cet assaut. Nous ferons table rase du passé. Nous chasserons les ténèbres. Londres doit renaître de ses cendres. Le fragment d'Eden se trouve sous Buckingham Palace. On a tout ce qu'il nous faut. Commençons à préparer notre infiltration. Attends. Mieux vaut une confirmation visuelle. Si on se lance, on doit être totalement sûr. On n'aura qu'une chance avant qu'Otsoberg ne nous tombe dessus. Pour une fois, je suis d'accord. Nous prendrons position près du palais, mais nous attendrons la synchronisation des données génétiques avant de foncer. Tout dépend de toi, initié. Tu es en retard. Starik va passer à l'action. Le fragment d'Eden est quelque part à Buckingham Palace. Qu'il le prenne. Je t'ai vu à l'œuvre dans toute la ville. Tu devrais peut-être te fier à mon jugement. J'ai tué les lieutenants de Starik. Et toi, tu as fait quoi? Oh, demandons à Henry, tu veux bien? Je n'ai fait que réparer tes erreurs. À trop se hâter, on arrive plus tard. Arrête de citer notre père. C'est de Platon. Et désolé si pour une fois il n'est pas question de destruction. Père avait raison, il n'a jamais approuvé tes méthodes. Ça suffit, il est mort. Assez. Je viens d'avoir des nouvelles de mes espions. Starik compte voler le fragment d'Eden ce soir, au bal du palais, avant d'éliminer les chefs de l'Église et de l'État. On y retourne au nom du bon vieux temps? Ce sera la dernière fois. D'accord. Alors comment on s'y prend? Oh, c'est une merveilleuse surprise de vous voir tous les deux. Quelles sont les nouvelles de la rue? Madame Disraeli, nous avons découvert qu'il y avait à Buckingham Palace quelque chose capable de menacer... Ce que ma sœur essaie de dire, c'est que nous avons besoin d'assister au bal de ce soir. Oh, impossible! Même s'il restait des cartons d'invitation, ce qui n'est pas le cas, quelqu'un de votre rang social... Si cette baudruche de Gladstone est là ce soir, je veux bien leur donner mon carton. Parfait. Alors j'irai seul. Madame Disraeli, si vous aviez la bonté d'indiquer à mon cher frère où se trouve le domicile des Gladstone, peut-être pourrait-il déployer ses talents et s'emparer de leurs invitations. Oh, splendide! Avez-vous entendu, Dizzy? Nous allons faucher les invitations des Gladstone. Merci de m'avoir porté volontaire, ma chère sœur. Mais c'est un plaisir, mon très cher frère. Oh, Madame Disraeli, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller voir le Maharaja. Il a peut-être à sa disposition un autre jeu de plans de la crypte. Et vit un de ces toupets. Il me traite comme un enfant.
Où peuvent-ils bien être? Le bal a lieu ce soir. Ils ont dû prendre leurs invitations avec eux. Hey, petite, tu n'aurais pas vu de voiture passer par ici? Si, monsieur. Une avec un homme dedans, l'autre avec une dame. Elles se sont séparées. Où est parti l'homme? Par là. Merci. Ils sont partis par là. Ça
saloperie de Pégase. Je suis sur la bonne piste. Monsieur, madame. Avance, crétin de cheval! Un meeting politique privé. Je ne vais pas me gêner. Soyez à la... Laissez-nous faire notre travail. Mais où est-ce qu'il va? Il a pas de mourir. C'est terminé. On joue plus. Je n'ai peut-être pas toujours fait preuve de la plus grande subtilité, mais quand même. Madame Gladstone est protégée. Prudence. Mieux vaut attendre qu'elle soit seule. Question d'aller au bal de la reine sans un moyen de transport adéquat.
sans un moyen de transport adéquat. Maintenant, les invitations. Comment ? Par ordre de la souveraine, les épées seront déposées au vestiaire. Freddy saura arranger ça. Vas-y, ma chérie. Bravo. C'est bien.